il y a une sélection où je n'ai pas failli venir parce qu'il y a ma fille qui devait naître peut-être un mois avant les matchs éliminatoires. Ceux qui étaient venus me voir pour que je puisse venir faire le match, je leur ai fait comprendre qu'il y a ma femme là qui va accoucher et que je peux pas me déplacer. Donc j'ai appelé le ministre. C'est le ministre qui a donc intervenu. Il a dit qu'il fallait que je passe à la mission, c'est le ainsi de suite. Et c'est ainsi que quand je suis arrivé, il y a un match. Je ne sais pas si c'était le match contre Mozambique. Oui, je ne sais pas si ça faisait partie de la préparation pour la Coupe du Monde. Non, ils nous avaient battus chez eux. Chez eux, oui. 3-0. Oui, mais avant de partir de parler de votre vie dans l'équipe nationale, tu étais au stade. Après le stade Douala, tu es parti où? Après le stade Douala, je suis allé dans Tonnerre. Dans Tonnerre, je n'ai pas fait grand match. Et pourquoi je suis parti du Tonnerre? Parce qu'il y avait on appelle ça la cinématique, le tournoi de la cinématique. De UDEAC. UDEAC. Où j'avais fait un excellent match contre les Zaïre. Et après ce match, qui ne comptait même pas, mais après ce match, j'ai été pris comme titulaire. Parce que voilà, dans cette équipe, j'étais toujours remplaçant. Et là, ils ont décidé, ce sont tous les coachs. De basket, de boxe, de cyclisme, qui sont venus voir l'entraîneur. Ils ont dit, mais ce garçon, il sort d'où? Il est là, oui, l'entraîneur leur a dit, oui, le gars, il est là, il est avec nous. Donc c'est à partir de là où j'ai pris la place, c'est le petit joueur, c'était les yeux, j'ai pris sa place. Il jouait dans le canon. Avec un? Non. Le fou. Le éboué. Éboué. Le fou éboué. Donc j'ai la fin du jeu. Et à partir de ce match, j'ai été titulaire. Parce que tout ça. Et des Tonnerre. Pourquoi tu es parti des Tonnerre? Voilà. Alors donc, il y avait ce truc de. De UDEAC. De UDEAC. Où nous sommes allés jouer au Gabon. Et j'ai fait de mon mieux, j'ai tout fait de mon mieux, je suis sorti du meilleur. Et les dirigeants gabonais m'ont remarqué. Et ils ont tout fait pour que je vienne jouer avec le Gabon. Pas l'équipe nationale, ouais. Mais l'équipe de la police. Oui. Voilà. J'étais comme ça assis en train de travailler, je vois quelqu'un qui vient me glisser une enveloppe où il y avait tout. Billets d'avion, contrat. Donc, comme je ne pouvais pas prendre l'avion, de peur d'être arrêté, puisque je ne suis pas clandestinement comme ça, je suis parti sans dire à personne que j'allais au Gabon. Et quand j'arrive au Gabon, la frontière, ils appellent Libreville. Libreville dit laissez-le passer. C'est l'autre toujours laissez-le passer. C'est comme ça que je passe. Bon, je m'en vais, bon, je sais que, à moi, les dirigeants du TKC avaient mis une confiance manifeste en moi. Et je sais que je les avais dit. C'est pour ça que quand je suis parti jouer en France, à mon retour, j'ai dit que je devais le racheter en jouant dans mon équipe de. C'est comme ça que quand je suis revenu, j'ai joué dans le Tonnerre. Et cette année-là, on est sorti champion. À Kinika, nous étions à l'aise. C'est-à-dire, on a joué sans complexe, on a joué. Et nous, on savait qu'on allait les gagner. Voilà, on a gagné 2-0. Alors, par contre, chez nous, Le match retour. C'est là où j'ai dit, il y a eu problème. On a eu peur. Pas pour le match. On a eu peur de décevoir
le public, tout ce public qui était venu. Mais une fois sur le terrain, on a oublié cette peur. Et là, c'était renforcé. Là, c'est le match le plus difficile. C'est-à-dire que à Kiniplan, on avait gagné le match facilement, mais ici, chez nous, ça a été difficile. Je ne sais pas, peut-être que vous aviez oui, mais si on rentre à Kenitrapo, au lieu, les Camerounais attendaient ce match, soit à Casablanca ou dans une grande ville. Mais quand nous, on a suivi que c'était à Kenitra, ça vous a tiqué un peu, au lieu de jouer soit à Rabat ou à Casablanca. Non, non, nous, c'est en dernière minute qu'on nous a dit, qu'on nous a signalé que bon, on ne jouait pas à Casa ou à... Donc, on est resté serein. On a dit, là où se jouera ce match éliminatoire, on acceptera. Ça ne nous fera pas peur. Le petit stade, ça vous a rien dit? Ça nous a même plu. Nous, on était à l'aise. On était à l'aise, il y avait du public. On était à l'aise, on a joué le match comme il fallait. Et comme vous disiez, Paul, le match... que l'équipe ne voulait pas décevoir le Camerounais contre le Maroc à Yaoundé. Mais quand vous êtes entré au stade, vous avez vu même les Camerounais accrochés sur les poteaux. Comment ça vous a donné des chairs de poule? C'était comment? Avec les Camerounais qui étaient sur les poteaux et partout. Il y a des gens qui sont venus même la veille pour voir ce match. Ils ont dormi au stade. Donc, nous, quand je disais qu'on avait peur, c'est-à-dire que quand nous sommes entrés au stade, on a vu ces gens dont vous parlez là, on a dit non, là, aujourd'hui ça sera la mort. Quand le courage est revenu, parce que nous on avait peur au départ, on a dit ah, peut-être qu'on va très mal jouer, on va décevoir notre peur. Non, au contraire, quand on a vu les gens accrochés sur l'électrique là-bas, sur les tribunes, partout, le terrain était plein. Il y avait même des gens qui attendaient encore dehors. Et après cette victoire, c'était comment? Vous avez célébré ça comment, Paul? Nous avons été décorés. Le président nous a piqué immédiatement et est allé nous décorer chevalier de l'ordre. Bon, nous autres, comme moi, je suis parti. Parce qu'il fallait que je rentre. L'équipe avait un match important. Donc il fallait que je rentre. Bon. Et derrière, bon, je n'arrête pas de le dire. Bon, c'est pas que je demande qu'on me donne cet argent. Derrière, les gars ont touché 2 millions. Quand vous êtes rentré, le Cameroun était déjà à la porte pour aller en Espagne. Les matchs préparatoires, comment ça s'est passé? Alors, les matchs, ça s'est très, très, très mal passé pour moi. Je me blesse. On va jouer contre une équipe de seconde division en Allemagne. Et je me blesse. La déchirure des adducteurs. Et la chance qu'on a eue, c'est que nous étions en Allemagne. Et ces médecins ont su prendre toutes les précautions pour que je sois guéri. Et entre temps, il y a un monsieur, l'entraîneur qui est venu là, qui ne nous avait pas qualifié, c'était pas lui qui nous avait qualifié. Parce que c'était Jean-Bertrand. Oui. M'a demandé mon départ. Parce que j'étais blessé. Il a même demandé le départ de Tokoto Jean-Pierre. Parce que Tokoto était le plus vieux. Il a demandé aussi de ne pas d'un joueur. C'est là où on avait un ministre, M. Bongawanji. Ah, lui, franchement, c'est de beaucoup d'expérience. C'est lui qui dit ces gens que vous voulez renvoyer, c'est eux qui ont qualifié le. Pourquoi vous voulez les renvoyer? Bon, il demande à l'entraîneur de vous passer la liste. L'entraîneur dit que bon, lui, il ne fait pas la liste. Vous allez faire la liste, vous faites pas la liste. Moi, je vais réagir. C'est comme ça que bon, pendant ce temps, moi, on me guérissait. J'ai pu tenir.
j'ai fait quand même 35 minutes de match contre le Congo. Bon. Après, il m'a puni. Mais après cette compétition, malgré cet incident que tu as eu, tu es sorti avec quelle impression? Le Cameroun qui joue et il ne perd pas aucun match. Ah non, pour nous c'était une grosse fierté. Nous étions tous contents que des équipes comme la Pologne, comme l'Italie, comme le Pérou, c'était des grosses équipes à l'époque. Ce n'est pas les équipes d'aujourd'hui là où bon, ça se joue, c'est pas. Et nous, on se sentait vraiment. Non, nous, on avait dit, on a accompli la mission de notre pays. Nous étions fiers de n'avoir pas perdu. Bon, d'être qualifié, bon, on avait un but, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, contre but. Pérou. On a marqué le but, c'était un but. Un but. Frais, que les habitants ont refusé. Quelle était l'ambiance parmi vous? Parce qu'à un certain moment, on vous a vu dans le bus, tout le monde chantait, tout le monde. Quelle était l'ambiance qui régnait entre vous, les joueurs? Ah non, très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Puisque, comme je vous disais, on ne pensait pas à l'argent. On ne venait pas pour l'argent, on venait pour notre peuple. Pour satisfaire notre peuple. Et là, vraiment, je peux vous avouer que. Il y avait l'ambiance. Ce n'est pas l'ambiance qui a absolument l'ambiance publique qui se passe. Il y avait vraiment l'ambiance. Et quand vous êtes rentré de 82, le chef de l'État vous a beaucoup honoré. Ça vous a touché beaucoup? Bien sûr que oui. Si on vous donne une médaille, le chevalier de l'ordre de la valeur, c'est grand. Ça a une vie de valeur. Ça veut dire que. On nous considère comme des gens qui ont œuvré, qui ont travaillé pour le pays. Donc, on vous récompense.